Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, dans notre série Minecraft 1.20, donc vous voyez, on est en train de faire une ferme à Wither, Wither le boss. Donc vous voyez, je fais rien, donc voilà, et ça marche très bien. Et en train de, il y a des Wither qui sont en train de mourir sans absolument rien faire. Je perds très peu de dégâts. Donc c'est une ferme, je préfère le dire à l'avance parce que je ne sais pas si je le dis ou pas dans la vidéo, d'un certain Shulk que j'ai déjà piqué, Shulkarcraft, pardon, avec que je mettrai la vidéo d'origine dans le descriptif éventuellement parce que j'ai légèrement modifié, j'ai rien fait de particulier, mais j'ai légèrement modifié on va dire, la position des blocs. C'est une ferme qui marche très bien, mais elle fonctionne à base de nombre d'items qu'il y a sur un bloc, d'entités qu'il y a sur un bloc, pardon. Et elle fonctionne très bien, voilà. Donc elle est parfaite, vraiment, c'est très cool. J'espère avoir le plaisir de vous avoir comme abonné. Pensez à le faire parce que ça m'encourage énormément, vraiment, ça m'encourage énormément. Merci à vous d'avance. Donc je vous dis bon visionnage. Et voilà comment on fait, comment on farm le wither sans prendre beaucoup de dégâts ou très peu. Là, je suis pratiquement pas stuff, donc voilà. Je vous dis bon visionnage et à bientôt. Ciao. Alors. On commence à faire notre ferme. Donc, vous avez compris, j'ai fait la ferme, l'intro, je l'ai fait après. Donc, la première chose qu'il nous faut, il nous faut absolument une salle de 15 sur 15, c'est-à-dire et 5 de hauteur. Donc, si vous creusez juste en dessous de notre portail de l'Inde qui ramène dans l'Overworld, au milieu, vous remarquerez que, y a un point central. Le point central, donc voilà, il fait deux par là, deux par là, deux par là. Donc, on a un point central. Il faut laisser 5 de hauteur, si vous voulez. Donc, voilà, j'ai laissé les blocs différents pour un repère. Et faire 7 de chaque côté. Donc, ça nous fait une salle de 15 sur 15. Donc, voilà la salle. Donc, je l'ai fait offline, bien sûr, donc, pour gagner un peu de temps. Et en gros, ce qu'il nous faut, mais vraiment en gros, des minecarts. Donc, il nous faut 24, 25 en plus exactement. Et ça va fonctionner en quelque sorte. Donc, je vous explique, voilà. C'est qu'il y a une règle sur Minecraft qui dit que au bout de X entités sur un bloc, c'est limité, ça se règle en fait avec un game rule, je crois. Les entités en plus vont automatiquement suffoquer, donc ils vont mourir comme ça. C'est exactement ça qu'on va utiliser. Donc il va nous falloir des observeurs, des hoopers, des sticky pistons, des pistons, de la redstone, je ne me rappelle plus combien exactement, repeater et repeater comparateur, des glaces, des pistons en plus, des coffres de cygne, 3 dispensaires, un dropper, 3 murs, voilà, un wagon, un hooper wagon et des rails. Je crois qu'il va manquer des rails aussi. Bon. Donc, une fois qu'on a tout, donc on laisse 4 blocs en hauteur, on vient avec 2 blocs et on pose un premier coffre juste après. Donc les blocs de construction, en fait, je laisse la diorite, vous avez compris, et les blocs temporaires en attendant de les changer. Je vais mettre de la stone. Ok. Et on met deux hoopers, comme ça, un qui regarde vers l'autre. Donc, et on casse celui-là aussi. Ok, on met encore un hooper. On prend les murets, on place 3 murets comme ça. Ok, donc c'est les walls, nos fameux walls. Donc, ça va donner ça. Ensuite, on va venir là. Hop, on vient. On casse ça. Juste pour rappel, la ferme en fait, elle a été faite par un Anglais que j'ai déjà fait utiliser une vidéo, entre autres celle de en plaçant un rat ici et un hooper juste là. Donc c'est un Anglais. En fait, j'ai déjà utilisé la ferme à cobblestone. En fait, c'est la sienne en fait qui est tout simplement Shulkercraft, pardon. Donc il est très bon. Voilà. Donc vraiment, il est super bon. Donc au-dessus juste du minecart qu'on a installé, on va essayer d'installer, hop, pour ne pas faire des bêtises, il est au centre. Donc mon centre est là. Donc on installe un piston et sur le piston on met un bloc de construction. Cette fois-ci, hop, on vient ici, on met un bouton et on clique. On clique. Oui, pourquoi? Pourquoi il ne veut pas?
Ok, le bouton, il veut pas. On va essayer un levier. J'ai un problème. Ok, oui, lui, il fonctionne. Et pourquoi lui, il fonctionne pas? Ah oui, non, c'est normal. C'est normal. C'est normal parce que j'ai oublié juste de casser. Visez bien le visez bien hop, le rail, en fait. C'est à cause du rail. Et on l'a pas enlevé. Donc vous voyez là, la lightbox, elle vise le rail. Regardez, elle vise le rail. Donc on tape un coup, un deuxième coup. Hop, là oui, là c'est bon. Là ça devrait mieux ça. C'est à cause du rail, en fait. Et hop, et on l'active. Et ok, donc et là. Hop, on enlève tout. Ce qu'on a fait, au fait, c'est qu'on a juste bloqué on a bloqué le main card dans un bloc, comme ça, il ne va pas bouger beaucoup, en fait, donc tout simplement. Donc oui, ça ne marchait pas parce que j'avais oublié d'enlever le rail. Donc on récupère tout le reste, ok, c'est parfait. Et donc, je pense vous laisser aussi le lien de la description. En fait, lui, il prévoit de mettre, il prévoit 90 NetherStars par heure en fait. Donc une fois qu'on a coincé notre wagon en fait, wagon hooper en fait, on vient sur le bloc qu'on a placé et on place simplement un rail. Et on vise le rail au fait et là on va faire tout simplement nos 24 entités. En gros, ce sont des wagons, des main cards, et on vise directement en fait pour les placer au fait il faut viser le rail. Donc en fait donc là je suis toujours sur le rail, donc 2 3 4 5 6 7 8 9 encore. Il en faut 24 en tout. Donc le rail toujours 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Dix-neuf, vingt, vingt et un, vingt-deux, vingt-trois et 24. Donc là, donc on a l'impression qu'il n'y en a qu'un seul, mais en fait, il y en a 24. Donc vous les avez bien vus, comment on l'a fait, etc. Donc voilà, c'est assez simple et c'est ne tombez pas dedans parce que celui qui tombe dedans, il n'est pas bien. Et pensez à casser le rail juste en dessous. Hop. Ok, là, ça va. Donc, pas trop de dégâts. Et on récupère notre rail. Bon, voilà. Donc, du côté de là, on n'a pas posé de muret. On vient avec nos dispenseurs. Donc, hop, on les place dans ce sens-là. Ensuite, on prend un bloc un bloc temporaire. Juste après, on vient avec un observeur. Hop. On prend un peu de hauteur et on vise le bloc qu'on a placé et on le place comme ça. Donc la flèche, il faut qu'il observe en gros de l'autre côté, c'est-à-dire par là. Donc on pose maintenant les dispensaires juste en dessous, les pistons, pardon, juste en dessous de l'observeur, le bloc observeur. C'est pas dans ce sens. Ok, il faut qu'elle soit comme ça, oui. Et donc toujours du côté, là on n'a pas placé de muret, on vient placer un bloc, deux blocs, on vient là, hop, on place quatre blocs comme ça. Donc en gros, on va l'enfermer en quelque sorte. Ça va donner ça. Et juste après, hop, je passe pas. Donc il faut placer les quatre pistons qui nous restent. Voilà. Ça commence à prendre forme là. Et une fois que c'est fait, on vient virer ces blocs. C'était des blocs temporaires. Et là, on va faire des vrais blocs, des blocs de construction, mais avec un bloc temporaire en premier temps. Oui, non, c'est là. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Hop. Et là, on va commencer à mettre notre système AFK, qui est les Power Drive, que j'ai oublié tout à l'heure. Donc on va mettre là. Donc vous avez compris, on va venir là à un certain moment pour se mettre AFK et c'est là où on va mettre la sous-sonde en fait. Donc et on va continuer à fermer en fait là où on va venir se mettre AFK.
Et on va prendre notre levier, hop, de la machine. Hop, voilà. Donc hop, quand on active, il va s'activer. Et on a un dernier rail, voilà, un dernier wagon. Ok, on le pose là. Donc il va faire des allers-retours, vous avez compris. Bon, j'ai anticipé un peu, mais c'est pas grave. Donc juste sur le, en face du levier, en fait, on va ici, on va placer notre dropper qui va être là. Et juste après, hop, j'ai oublié les sticky pistons, on vient à côté du dropper qu'on vient de placer à l'angle ici, on vient placer un sticky piston à côté de notre dropper, là, dans le même coin. Et sur ce sticky piston, il vaut mieux prendre un peu de recul comme ça et venir installer un observeur qui va regarder directement avec du recul comme ça, avec en arche arrière. L'observateur, il faut qu'il regarde vers le dropper. Et juste en dessous de l'observeur, en fait, on vient aussi poser un autre observeur qui regarde de l'autre sens, en fait, comme ça. Alors, derrière les pistons, on a mis les pistons, voilà, avec les rails, pardon, et le wagon, on vient poser un premier bloc et un deuxième bloc. On pose un premier répéteur, un deuxième répéteur, et on met de la redstone, pardon, excusez-moi. Alors, on continue sur la redstone. Donc, juste à l'angle des répéteurs, on va placer un premier bloc, un deuxième bloc et un troisième bloc, comme ça. Et une fois qu'on a placé cela, donc on vient placer un autre ici et un autre ici. Et juste un là temporaire et un là. Donc en gros, ça va faire un escalier. Et c'était pas les bons blocs, mais c'est pas grave, tant pis, ça restera. À quoi que je vais les changer avec les blocs, les vrais blocs. Donc je disais, ok, un L, on vient ici, on place un là, un là, celui-là, on va mettre en temporaire. Quand on place celui-là, là, ok, celui-là, il était là, ok, ça, il n'est pas là, lui, il n'est pas là. Donc ça va donner ça, en fait, hop. Et on va continuer, hop, venir là. Placer un bloc là, juste au-dessus du levier et juste derrière. Donc ça va monter comme ça. Ok, parfait. Et on va derrière les trois pistons et on place des blocs comme ça. Et on va placer un bloc aussi à côté du dropper. Là, je crois qu'il faut en placer un. Ouais, je crois qu'il faut en placer un. Parce qu'en gros, on va avoir du signal qui va passer par là en fait. Voilà. Donc on est parti des deux, on a fait un L, après on est remonté en escalier, là, ok, le levier derrière les pistons et à côté du dropper. Donc là, on va mettre dans le creux, dans le premier L qu'on a placé, on place un repeater et on place de la redstone. Donc vous avez vu, ça continue. Hop, on monte. Après ça, hop, un repeater, un deuxième repeater, et là, on place de la redstone tout au long, là, comme ça, et ici aussi, pour donner du signal à notre, pour donner le signal, pardon, à notre dropper. Donc voilà. Donc derrière notre machine et le dropper qui est là, donc ça c'est un dropper, hop, on vient juste placer nos blocs de verre qui seront là, là et là. J'ai juste oublié d'en mettre une en plus, en profondeur en fait, en hauteur. Mais c'est pas très méchant. Ensuite, hop. Donc une fois que j'ai dégagé un peu de place, on va mettre ici poudre de redstone, poudre de redstone, un repeater dans ce sens-là et il faut qu'il soit au max. Donc voilà. J'avais oublié juste ce coin-là. Et ça, ce sont des blocs temporaires qu'on vient.
On vient du côté. Là, on a notre dropper. On sneak sur un dropper et on place une pancarte ici et une pancarte en face. Et avec notre trapdoor, pardon, hop, on la place au milieu pour bloquer tout en fait. Donc là, on va au premier coffre qu'on a fait tout au début. C'est celui-là. En fait, on vient juste à côté du premier hopper qui est là. Hop, on monte dessus. Non, on va le mettre de l'autre côté, pardon. Pardon, plutôt, hop. Et un bloc de construction. Et on place un comparateur dans ce sens-là. Voilà. Donc, une fois qu'on a placé notre comparateur, on vient ici. On place un hopper. Un sticky piston, pardon. On vient installer notre dernier observeur. Il faut qu'il regarde l'autre côté par contre. Juste ça, hop. Ok, parfait. Ok, il faut qu'il soit comme ça. Alors, on est censé avoir encore un hopper que vient normalement installer ici. Donc, sur le dropper. Avec nos coffres. Ok, que je viens mettre ici. Et ici, donc là il va y avoir la soul sand. Et j'ai juste oublié, sur le piston en fait, il faut placer un bloc de construction et notre bouton. Donc c'est important. Donc une fois que vous avez fait, que vous avez rempli votre, là je l'ai rempli un peu plus qu'il ne faut, donc le soul sand, le double coffre qu'on a posé en dernier en fait, on vient charger nos têtes dans les dispensaires en fait. J'en place trois à chaque fois, on va dire. Donc il faut que qu'ils soient exactement le même nombre. Et donc si vous voulez, hop, je prends un stock ici, c'est pas grave. En gros, comment ça va se faire en fait, hop, vous allez voir. Je place ici. Hop, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Celui-là, je l'ai posé trop bas. Donc à côté du coffre, là où on a mis la soul sand. Qu'il y avait l'observeur, on a mis le piston au-dessus, au fait, le piston collant et juste un observeur, au fait, lui, j'ai dit, il faut que ça regarde l'autre côté et tout. J'ai fait n'importe quoi. En gros, hop, il faut le faire là et venir ici, donc à côté, l'observateur qui est regardé par là. Et en fait, il faut le mettre là, tout simplement. Hop, le coller comme ça, dans ce sens-là, je vous ai montré. Et hop, je vous ai montré où il faut qu'il regarde, etc., etc. Donc voilà. Et donc maintenant, on va l'enclencher. Au fait, il faut être rapide, non pas trop. Une fois qu'elle est enclenchée, une fois qu'elle est enclenchée, j'ai dit non, il y en a. Ok, bon voilà, j'ai oublié de charger. On va la charger quand même. La première fois, je viens ici, je l'enclenche. Il commence. Je viens ici, j'active la machine. Ok. Et je garde le clic droit ici, appuyé comme ça. Donc avec le F3T. Et voilà. Donc là, normalement, donc vous allez voir. Donc il va mourir tout seul comme un grand. Là, il est en train de mourir suffoqué. Je vais vous montrer une autre image comment il suffoque. Voilà, donc ça fait ça. Donc il y avait une petite erreur que je viens de corriger. Donc là, je l'ai bloqué. Donc je touche absolument rien. Donc il va mourir. Là, vous avez vu, voilà, au moins de 20 secondes, il meurt. Ok, voilà, il est mort. Et là, donc je suis en train. Voilà, il y a un deuxième tout de suite qui se charge. Vous avez vu, donc c'est rapide. Et on récupère normalement des blocs de la soul sand. Et donc il y a le deuxième qui est en train de mourir. Parfait. Donc voilà, il charge. Donc une fois qu'il va mourir, on va attendre le troisième au fait. Et vous allez voir comment il va mourir. Donc on va la charger, on va sortir. Donc ça fait un peu ça. Donc voilà, on est là en mode AFK. Voilà. Donc si on fait absolument rien là. Je la désactive une fois que le troisième est chargé. Donc ça c'est pour la troisième de toute façon. Donc il est prêt, les blocs sont prêts de la soul sand. Ok, donc voilà, c'est la troisième. Ok. Et hop, on a placé nos trois. Je me lève. Ok, je sors. Et vous allez voir comment il meurt. En fait, il tombe directement dans les minecarts. Et là, voilà, il va finir. Et là, il meurt tout simplement par suffocation. Tout simplement, voilà. Donc, il est en train de mourir gentiment, doucement.
sans absolument rien à faire. Et ici, on obtient directement nos Nether Stars qui vont venir ici. Donc vous avez vu, on bloque avec F3T, on reste. Et le nombre de têtes qu'on a mis, voilà, c'est autant de têtes que vous avez, voilà. Donc voilà tout pour l'explication que pour la ferme à Wither Bus, au fait, elle est très simple, vous avez vu, efficace, très, voilà. Donc là, il a reposé les blocs qu'on a posés, il essaie de poser les blocs, et il n'en trouve pas, c'est normal, parce que, voilà, donc c'est normal, il y a pas de blocs, au fait, il n'y a pas de têtes, pardon. Donc voilà comment on le fait. Bah écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que vous allez liker, que vous allez le faire partager. Ça me fera super plaisir. Que je vais avoir le plaisir de vous avoir comme abonné. Ça m'encourage énormément. C'est déjà fait. Je vous dis merci beaucoup, beaucoup de votre fidélité. Et surtout, c'est super gratuit pour vous. Ça ne vous coûte absolument rien. Et pour les têtes, au fait, si vous avez une idée ou une ferme à tête de Wither simple, il y en a plein. En fait, il y en a plein, plein. J'en connais plein. Mais il faut faire les 128 blocs autour. Et j'ai un peu la flemme pour le faire, pour être honnête avec vous. Si vous connaissez un truc efficace, bah, je suis preneur. Je vous dis merci à vous et à très bientôt. Ciao, 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 ciao.